Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des produits qui viennent de partout dans le monde et qui viennent d'une compagnie qui s'appelle Snacktown. Comme vous voyez, il y a plein de produits qui viennent de partout dans le monde. On va tester ça, je vais vous donner mes avis. Et puis, vous pouvez commander dès à présent sur leur compte Instagram en cliquant dans la description. On y va pour la dégustation. On va commencer avec la bouteille de Fanta qui est bleue, comme vous voyez. Elle a l'air vraiment intéressante, j'ai vraiment envie de goûter à ça. C'est une bouteille qui nous vient de Russie et tous les produits viennent de partout dans le monde. Donc j'ai vraiment envie de goûter à ça. Ça goûte le citron et la vanille. On va tester ça. Allons-y. Oh, c'est vraiment super bon. Franchement, j'aurais aimé avoir ça un peu partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi Fanta, ils se permettent de laisser ça juste à une partie du monde, mais c'est super bon. On va aussi continuer avec une seconde boisson. C'est une bouteille de Fanta, comme vous voyez les amis. Une bouteille de Fanta qui nous vient du Japon. Une canette en fait, pas une bouteille. On va goûter à ça. Waouh, retenez bien cette boisson les amis. Bon, c'est l'un des meilleurs Fanta que j'ai vu de ma vie. On va passer aux chips les amis. Il y a un paquet de Lay's comme vous voyez qui nous vient du Japon aussi. Beaucoup de produits qui viennent du Japon parce que c'est un pays où la bouffe elle est vraiment très très bonne. Waouh, ça a l'air super bon. Bon, je vais finir le paquet aussi là. On va passer à un autre paquet de chips et je sais que vous avez envie de manger ça. Comme je vous ai dit, vous pouvez commander. Ça se livre partout dans le monde. Comme vous voyez, c'est un Lay's au homard. Oh waouh. Waouh. Je pense que je vais ruiner ma carte crédit chez eux là. C'est super bon leur produit. On va passer aux bonbons les amis, je sais que vous aimez ça, les Haribo quand vous voyez par ici ou par là. C'est des produits qui se trouvent vraiment beaucoup en Europe et aux États-Unis, mais pas au Canada où je me trouve actuellement. C'est un produit qui nous vient de Californie. Non merde, je vais tout finir. Maintenant on va passer à un produit vraiment vraiment bon et je sais que vous allez me détester après avoir vu ça parce que vous allez être jaloux. Mais vous pouvez commander ça comme je vous ai dit. Ça, c'est des Oreos aux fraises, comme vous voyez, les amis. Ça a l'air super bon. Wow, ça sent la fraise. C'est super bon. Je vais goûter à ça. Franchement, c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé que tous ces produits se vendent partout dans le monde. Et c'est la chance que nous offre Snacktown, qui livre partout dans le monde. Donc, c'est vraiment génial. Méga bon. En parlant de rose, on va tester les Kit Kat qui nous viennent de Russie et ça a l'air super bon ce truc, j'ai envie d'y goûter. Regardez, on a plein de variétés de Kit Kat, des Kit Kat à la menthe comme celui-là aussi. On a aussi un Kit Kat qui est fait à base de tarte aux pommes comme vous voyez les amis. Des petits Kit Kat comme celui-là, là, ça a l'air super bon. Comme vous voyez, il y a vraiment vraiment de tout pour leurs produits, ça m'intéresse. Et puis on va tester ça tout de suite les amis. Voilà, regardez, c'est un Kit Kat classique sauf qu'il est rose et qu'il vient de Russie. Ce qui fait deux choses qui me donnent très envie de goûter à ça. Ça n'a vraiment aucun rapport avec tous les Kit Kat que j'ai pu goûter de ma vie. Et c'est super bon. En parlant de grosses marques de chocolat, il y a aussi des Twix bleus. Comme vous pouvez le voir, c'est des Twix faits à base de biscuits et de crème. Comme vous pouvez voir les amis, voilà à quoi ressemble le paquet. Des Twix bleus faits à base de biscuits et de crème. Voilà les amis, donc je vais essayer d'ouvrir le paquet devant vous. C'est produit aux États-Unis et regardez, c'est des mini Twix et il y en a 4 comme ça à l'intérieur. C'est la moitié d'un Twix mais il y en a 4 à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est un peu le principe mais on dirait exactement le mélange parfait entre Twix et Oreo et c'est super bon les amis. Si vous voulez savoir que veut dire le mot exotique, voici cette bouteille les amis. Cette bouteille a vraiment une ouverture spéciale. Alors on va voir ça devant vous. Ouais, regardez, j'ai réussi à enlever ça. Et puis, il faut continuer à enlever le plastique. Voilà, les amis, il y a une petite bille juste ici qu'il va falloir pousser avec ça. Waouh, c'est vraiment... Non seulement le concept, c'est vraiment spécial, mais en plus de ça, la boisson, elle est super bonne. Ça fait penser à du Fanta aux fraises, mais le goût est encore plus spécial que ça. On va revenir avec les chips encore une fois, les amis. Ça, c'est des... Rap Snacks, comme vous pouvez voir ça, et il y a la tête de... First things first, I pop, freaks all the honey. De Notorious Big sur le paquet. Vous pouvez voir juste ici, c'est des chips de Notorious Big. On a aussi la version Cardi B pour les plus jeunes. Qui est juste là. Et ce que j'aime bien avec le paquet, c'est que derrière, il y a écrit toute l'histoire du rappeur. Ça, je trouve ça vraiment nice. Wow.
ça, ça nous vient des États-Unis, les amis. Je ne sais pas si je vous l'ai encore dit. Regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des chips. Tout ce qu'il y a de plus normal. On va finir avec des bonbons qui nous viennent tout droit d'Asie, comme vous pouvez le voir, d'Asie du Sud-Est, de Japon. Évidemment, Japon ou Chine, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Attendez un instant. Voilà, j'avais raison, c'est un produit qui nous vient tout droit du Japon, les amis. C'est vraiment nice, j'adore ce pays. Regardez comment ça se présente à l'intérieur, c'est des bonbons en sachet. Voilà, c'est un bonbon duc. On va goûter pour voir si le goût sort de la main. Sérieusement, c'est méga bon. Franchement, après cette vidéo, je vais prendre une dizaine de kilos. Je vais me taper tous les produits qui restent là. Franchement, je voulais finir la vidéo sur les bonbons là, mais il reste tellement de trucs bons que je suis obligé de vous faire découvrir. Par exemple, ça, qui est un coca gelé. Un coca gelé, original coca évidemment. Et puis, qui goûte le citron. Franchement, je vais tout finir là, je vais rien laisser à l'équipe parce que c'est méga bon. Si vous voulez commander n'importe quel produit qui est sur sa table et bien plus encore, comme vous avez vu, ils font des produits vraiment diversifiés, vous pouvez aller sur l'Instagram de Snacktown. Vous pouvez commander par message ou cliquer sur leur site pour commander. C'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Un grand, grand merci encore à Snacktown. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Jawa TV, écrit juste ici pour les plus nuls en orthographe. Merci beaucoup pour votre confiance. Bye.